tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, pour le vlog numéro 2 du NaNoWriMo, j'allais dire du Camp NaNoWriMo, nous sommes au NaNoWriMo de novembre. Nous sommes le 15 novembre, je vous retrouve, je ne vous ai pas filmé hier et je ne vous ai pas filmé avant-hier, il me semble que l'autre fois je l'avais fini le 12, je crois. Donc je vous retrouve pour vous dire que là je suis plutôt dans les temps, enfin je suis un petit peu en retard toujours, hein. Quand je dis dans les temps je veux dire par rapport à mon histoire etc, comment je me sens dans mon histoire on va dire, mais au niveau du nano je suis un peu en retard encore, enfin, je suis pas mal en retard encore, j'ai toujours mon retard de 2000 et quelques mots mais bon. J'essaie de rattraper comme je peux on va dire, en tout cas au niveau de mon histoire je suis super bien dedans, je suis au chapitre 11 du coup, je crois que je vous avais dit que j'avais terminé le 10, ouais il me semble, ça fait plusieurs jours donc je pense que j'ai dû vous le dire. Je suis au 11 là, j'ai bientôt fini, l'objectif c'est de le terminer aujourd'hui, je pense que c'est faisable et peut-être de commencer le 12. Le seul truc c'est que j'ai pas encore fait le résumé du chapitre 12 donc j'ai pas trop encore d'idée de ce qui va se passer dedans. Donc je ferai ça sûrement si je termine, bah du coup le 11 aujourd'hui je ferai une petite pause écriture entre guillemets en faisant ça. En résumant mon chapitre 12 et peut-être les chapitres d'après comme ça sera fait. Voilà, mais pour l'instant je sais pas du tout ce qui va se passer dedans. Enfin forcément j'ai un peu une idée par rapport à ce qui se passe en ce moment mais j'ai pas vraiment d'idée précise sur ce qui va se passer dans ce chapitre là. Mais voilà j'ai quand même des idées qui sont un peu dans mes idées en vrac et tout qu'il faut que j'ai inclus dans l'histoire. Donc peut-être que je vais piocher là-dedans pour inclure ce chapitre là, enfin pour introduire ce chapitre là. Je verrai ça plus tard, là du coup il est 13h52, j'ai fait un petit peu mes trucs que j'avais à faire, j'ai fait du montage etc, bref voilà des petits trucs pour YouTube et pour d'autres choses, j'ai joué aussi mais ça voilà, j'ai un petit peu procrastiné aussi, hein, voilà, vous me connaissez maintenant, mais là je vais aller écrire, je vais pas me mettre de limite de temps là, je vais juste bah, du coup essayer de finir mon chapitre 11, il me reste peut-être, je sais pas, je dirais un peu 300-400 mots, quelque chose comme ça à peine à écrire. Donc je pense que ça va être assez vite fait entre guillemets, donc voilà, je vais aller faire ça et puis je vous retrouverai quand j'aurai terminé mon chapitre et je vous retrouverai pour vous dire si ça s'est bien passé, comment j'ai écrit, etc. Donc... Je vous retrouve, nous sommes le 18 novembre, je crois que la dernière fois que je vous ai filmé c'était pour commencer ce vlog, donc ça doit être le 15, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. J'ai pas énormément filmé parce que hier j'étais pas mal occupée, donc j'ai pas énormément écrit, j'ai écrit 300 mots, quelque chose comme ça, donc pas énorme. Avant-hier j'ai pas écrit beaucoup, non, enfin dans les 300-400 mots, quelque chose comme ça, donc c'est déjà quand même pas mal, mais bon voilà, c'est pas mon objectif journalier. Mais bon, de toute façon j'ai déjà abandonné de faire mes 25 000 mots, 20 000 je sais pas si ça va être faisable, je croise les doigts, mais... Je commence un peu à... voilà. Mais bon, j'avance quand même. J'ai terminé mon chapitre 11 hier. Donc j'ai commencé le 12, je veux dire le 13, non. J'ai commencé le 12 aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai écrit 620 mots aujourd'hui. En général, quand je commence mes chapitres, ça va plutôt... je suis plutôt dans un bon élan. Surtout que là, j'ai commencé par une petite scène toute mignonne, toute choupie entre mes deux persos principaux. Une complicité et tout. Enfin, c'est trop le genre de scène que j'aime écrire. Donc... quand j'en écris en début de chapitre ou pas d'ailleurs, ça me... enfin voilà, je kiffe toujours et c'est toujours très fluide quand j'écris tout ça parce que j'adore ce genre de scènes, j'adore les lire et j'adore les écrire surtout. Du coup, je me suis éclatée aujourd'hui à écrire ça, donc 620 mots du coup, 600, ouais, 620 et quelques, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas mon quota journalier de base, mais comme je vous l'ai dit, j'ai un peu abandonné l'idée de faire 25 000. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vous ai même pas dit mais il est 21h donc je vous prends en fin de journée. Voilà d'habitude je vous prenais plutôt le matin voire vers midi ou en début d'après-midi. Là je vous prends le soir sauf parce que j'ai pas filmé aujourd'hui. Et que je me suis dit ce soir tiens ça fait un petit moment que t'as pas filmé. Ça fait quelques jours faudrait peut-être filmer un petit peu. Parce que sinon le vlog 2 il va pas être très long si je filme rien du tout. Parce qu'en fait j'écris vraiment à un rythme basique en fait. Vraiment de comme j'écris d'habitude. Donc du coup je pense pas forcément à filmer parce que pour moi j'ai rien à vous dire de spécial. Comme là j'ai rien à vous dire du coup de spécial. À part quand je termine un chapitre, quand je recommence etc. Mon écriture est plutôt fluide, donc j'ai, enfin voilà, je galère pas du tout à écrire mon histoire. Pas avoir d'autres situations, voilà, je vous félicite déjà d'avoir écrit le nombre de mots que vous avez écrit, c'est que vous ayez écrit 2 mots, 100 mots, 1000 mots, 2000 mots, 3000 mots, 10 000 mots, 20 000 mots, 30 000 mots, déjà 50 000 mots, parce qu'il y en a qui, je suis sûre qu'il y en a dans le monde, il y a au moins une personne qui, aujourd'hui le 18 novembre, a déjà écrit ses 50 000 mots, je ne sais pas comment font les gens, mais il y en a qui y arrivent. Nous sommes le 22 novembre, ça fait quelques jours encore que je vous ai pas filmé, pareil comme je vous avais dit dans le rush juste avant, enfin le rush où j'ai parlé juste avant, je vous avais dit qu'il y a des jours où j'ai pas spécialement grand chose à vous dire parce que bah, j'écris un petit peu tous les jours et que bah, il se passe rien de précis en fait à vous dire. Là je suis au chapitre 12, j'ai toujours du retard hein, sur mon nombre de mots, je sais plus à combien de mots je suis mais c'est sûr que j'ai du retard.
Donc là, mon objectif, c'est juste d'écrire le plus possible à la fin du mois, et puis de voir bah, jusqu'où ça va me mener, à combien de mois ça va me mener, tout simplement. Mais là, voilà, je suis clairement en retard, mais c'est pas grave. La principale, c'est d'écrire, c'est d'avancer, c'est d'aimer son histoire, c'est de se challenger. Et voilà, c'est le cas. J'aime beaucoup mon histoire, j'aime beaucoup mes personnages, j'aime beaucoup tout ce qui se passe dedans. Donc je suis assez contente à ce niveau-là. J'espère que vous, tout va bien, que tout se passe bien, que votre histoire vous plaît, que vos personnages vous plaisent, qu'ils font pas trop n'importe quoi comme moi, parce que moi je vous avoue qu'ils dévient un petit peu de mon plan et de ce que j'avais prévu, mais ça m'arrive souvent, donc je suis un peu habituée. J'arrive à peu près au milieu, je pense, parce que ben j'ai prévu 30 chapitres sur mon histoire, donc je suis au 12, donc du coup voilà, je suis presque à la moitié. J'aimerais bien arriver au 15 à la fin du mois, je sais pas si ça va être faisable, parce qu'on est déjà le 22, donc je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, je me rapproche de la moitié. Alors que j'ai commencé cette histoire le mois dernier, donc bon, c'est quand même pas trop mal. Je me dis que là, j'aimerais bien la finir cette histoire-là vers janvier, février maximum. Donc je me dis que c'est totalement faisable. Ce serait pas mal du tout. Octobre, février, grand max, ça ferait déjà pas trop de temps d'écriture. Enfin, en tout cas, pour moi qui ai l'habitude d'écrire, enfin, mes premiers jets d'habitude sont assez longs à écrire. Là, cette histoire-là sera un peu moins longue que mes autres. Enfin, que mon histoire. Que j'ai écrit l'année dernière, puisque l'histoire Ma femme dit que ce soit One Super Time que j'ai écrit la semaine dernière. L'année dernière faisait plus de 100 000 mots. Le premier jet faisait plus de 100 000 mots. Là, j'ai prévu 60 000, 70 000 mots grand maximum. Donc, déjà, il y a au moins 30, 40 000 mots de moins. Donc, c'est déjà pas pareil. Là, je vais aller écrire, je pense. On va peut-être pas tout de suite, je vais voir dans l'après-midi, je pense. J'ai aussi un montage à commencer, bah, justement, le montage de ce vlog-ci que je vais commencer, comme ça, il sera entre guillemets prêt pour samedi, enfin du moins j'aurais commencé à faire le montage. Donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, enfin pas mal de choses, tout est relatif, mais j'ai quelques petits trucs à faire en dehors de l'écriture, mais je vais quand même aller écrire cet après-midi parce que je n'ai pas écrit hier d'ailleurs, voilà, hier je me suis pris un petit jour off, je n'ai pas écrit. C'est pas très bien, je sais, mais bon, il y a des fois on a un peu besoin de ça aussi, j'étais pas trop dans le mood ni rien, enfin, voilà, j'ai pas écrit tout simplement. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je pense que je vous refilmerai pas aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne écriture, j'espère que tout se passe bien pour vous, et moi je vous laisse. Comme le 23 novembre, il est 14 h, c'est un peu rare que je vous prenne l'après-midi comme ça, enfin c'est arrivé quelques fois, hein. Mais voilà, je vous reprends du coup dans ma chambre. Je vous retrouve pour dire que j'ai un petit peu écrit, j'ai pas écrit normalement pour l'instant, mais je compte écrire et écrire après. J'ai écrit 248 mots, ouais, un truc comme ça, 250 mots, quelque chose comme ça, bref. Je pense réécrire dans l'après-midi, mais là je vous prends parce que j'ai fait une petite pause, là je vais peut-être aller me laver, enfin voilà, faire des trucs un petit peu de ma vie autre que l'écriture, et je pense que je reprendrai vers 15-16 h, quelque chose comme ça. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point pour vous dire ça. Je suis au chapitre 12 et je pense le terminer aujourd'hui si je me débrouille bien. Il y a moyen que je le termine aujourd'hui. Si j'écris encore 200-300 mots, je pense que il se finit aujourd'hui sans problème. Donc, je suis dans une scène que j'aime beaucoup, enfin dans mon histoire que j'aime beaucoup et dans une scène que j'aime beaucoup. Donc c'est un chapitre un petit peu tranquillou là, ce chapitre-là. C'était vraiment un chapitre de transition, un chapitre tout mignon entre mes deux persos où il se passe pas vraiment grand-chose. De plus pour l'intrigue de l'histoire, mais où c'est vraiment un petit truc un petit peu bah, de transition justement, voilà, il en faut de temps en temps, donc là ça en fait partie, et j'aime bien ces chapitres-là aussi, j'aime bien quand il y a de l'action, et j'aime bien aussi quand c'est un peu plus calme, donc voilà, j'espère que pour vous tout se passe bien, moi je vous laisse et je vous retrouve plus tard.